Alors Emmaël Oustic est née à Morges, un salon du livre en Suisse. Caroline et moi, nous nous connaissions mais comme ça, et on dédicaçait côte à côte. Et à la faveur d'un moment un peu flou, il n'y avait pas trop de monde, on a commencé à discuter. Et elle avait son carnet avec où elle crayonnait des choses. Et je suis tombée amoureuse de son chat. Et je me suis dit, si on faisait un projet ensemble. Elle a embrayé tout de suite. Je lui ai dit, laisse-moi un peu de temps. Je vais essayer de trouver un personnage humain pour l'accompagner. Emma, donc la petite fille qui est l'héroïne de cette collection, est arrivée assez vite. Je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire et puis on a embarqué. Voilà, ça fait. On a réfléchi à ce projet il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis voilà, Emmaël Oustic est née grâce à Albin Michel qui a commencé à publier les premiers tomes en janvier 2018. Donc voilà. Pour la mise en place de chaque histoire, Fabienne déjà communique son texte à l'éditeur. L'éditeur donc et Fabienne le peaufine. Ensuite, on le communique sous forme de début de mise en page. Et ensuite, je suis complètement libre. Et après, une fois que j'ai fait des crayonnés, je les envoie à l'éditeur, à Fabienne, pour que tout le monde me fasse un retour. J'amène les petites modifications qu'on me demande de faire. Ensuite, je fais les mises en couleur. Et là, les mises en couleur, je les envoie à l'éditeur aussi et Fabienne, pour d'éventuels retours. Alors, on est assez libre du choix des thématiques. L'idée, c'est que Emma et Loustic sont un duo de personnages du quotidien. Très ancrée donc, dans le quotidien, c'est une petite parisienne qui a des problématiques d'enfants de 9 ans. Mais leur super pouvoir, en fait, c'est la gentillesse. Et donc, ils sont les premiers maillons d'une chaîne de bienveillance. Et à chaque fois, chacun des thèmes abordés, c'est comment ils peuvent aider ou tendre la main à quelqu'un, un humain ou un animal, et faire en sorte qu'ils se retrouvent au cœur d'un dispositif, ou en tout cas, plutôt les premiers maillons d'un dispositif qui va mettre en branle toute une chaîne pour que quelqu'un qui ne va pas très bien au début de l'histoire aille mieux à la fin. Alors moi je travaille chez moi, j'organise mes journées vraiment en fonction des différents projets que j'ai à mener. Des fois je peux très bien n'avoir qu'un, des fois 3-4 clients en même temps. Donc je le fais un peu à la sensation et à l'inspiration du moment. Et je travaille sur tel ou tel projet en fonction de mes envies. Soit l'étape de création ou de la mise en couleur. Alors oui, alors ensemble on continue la collection, on est sur 6 titres commandés pour 2019 d'Emma et Loustic. Et puis moi j'ai 15 titres en tout qui sortent l'année prochaine avec les maisons d'édition avec lesquelles je travaille habituellement. Ozou, Hachette et Fleurus. Des romans, des albums, des romans première lecture, donc oui. Moi, je pense que le texte et l'image sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que, effectivement, je vais me baser sur le texte, mais je vais. C'est pas une réponse simple non plus, ça. Mais je vais soit rajouter, soit prendre un parti pris de montrer telle ou telle partie du texte. Parce que, si par exemple on regarde Emmaël Oustic, vous avez des doubles pages. Et moi, on ne m'impose pas forcément l'encombrement de mon illustration, donc je vais choisir une partie du texte que je trouve judicieux à mettre aux yeux du lecteur. Essayer de me mettre à la place du petit lecteur et de me dire qu'est-ce qu'il a envie de voir par rapport au texte. Il ne faut pas forcément que ce soit du copier-coller entre le texte et l'illustration. Il y a toujours un lien, mais il y a du plus. Il peut y avoir du plus, en fait, mais il ne peut pas y avoir du moins, forcément. Si vous me permettez de compléter, en fait, l'idée c'est que quand on fait un album ou un premier roman très illustré comme ça, effectivement, c'est ce que disait Caroline, on ne fait pas du copier-coller, mais l'illustration doit apporter quelque chose de supplémentaire au texte. Et donc c'est pas forcément, ça peut être quelque chose qui vient de son imagination, qui est évidemment lié au texte, mais effectivement pas du copier-coller. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des scènes où on ne sait pas forcément si Loustic est présent. Je vais choisir de l'y présenter ou pas, en fonction de ce que je veux rajouter, justement, aux yeux des lecteurs. Et en général, c'est toujours un petit plus, parce que forcément, l'enfant, il va toujours voir le détail, la chose qui n'est pas forcément décrite dans le texte, il va voir la petite chose qu'un adulte ne voit pas forcément. Donc, je fais attention aussi à ça. Le dessin raconte autre chose aussi.
C'est ça qui est bien. C'est tout l'intérêt de travailler et la difficulté aussi de travailler en collaboration avec un illustrateur. Nous, on a une chance folle, c'est qu'on s'entend très bien. Mais l'idée, et donc on se complète très bien. Et moi, je sais, quand j'écris mon texte, souvent, à 80% du temps, je sais ce que Caroline va faire. Et puis, 20% du temps, elle me surprend et j'adore ça. Je crois que je serai Gurti, le petit chien de Bertrand Santini dans le journal de Gurti. Voilà, elle est formidable, cette petite chienne. Elle fait plein de sottises, elle est espiègle, elle est drôle. Elle est irrévérencieuse, tout ce que j'aime. Et l'écriture de Bertrand est vraiment géniale aussi. Donc oui, Gurti. Alors moi, c'est plus qu'un personnage, c'est un univers dans lequel vraiment j'ai baigné quand j'étais toute petite, qui était l'univers de Tom Tom et Nana. Donc il n'y a pas un personnage en particulier, mais c'est vraiment ce qui m'a donné, je pense, l'envie d'aller vers ce métier. Donc c'est effectivement pas tout récent, mais, mais voilà, donc ça parlera quand même, parce que je sais que Tom Tom et Nana est assez intergénérationnel, mais moi c'était vraiment la première version de Tom Tom et Nana.